Quelles technologies équiperont les transports dans 5 ans ? Dans les locaux d'Alstom, à Villeurbanne, les équipes dédiées au système électronique ferroviaire travaillent notamment sur le train du futur. Un train qui serait entièrement connecté au réseau 4G via le sol et qui permettrait aux passagers d'accéder à de nombreux services en Wi-Fi grâce à leur smartphone. On a un numéro de billet, on choisit son siège et à ce moment-là, une lumière va nous aider à nous guider à trouver notre siège. Cette lumière correspond au même fond que notre smartphone et la tablette également va nous permettre de trouver plus facilement notre siège. Et à ce moment-là, on peut s'installer et composter son billet. La validation du titre de transport s'effectue grâce au contact avec un tag NFC. Elle va permettre au passager d'activer les équipements intégrés à son siège et d'accéder à des données en temps réel correspondantes à son billet. On a des données météo, on a des données de trafic, on sait quel est le retard des trains pour qu'on puisse aussi les diffuser aux passagers. Et puis après, on peut mettre à jour des nouvelles ou alors des films ou ce genre de choses pour les passagers. Informations, vidéos, mais aussi photos ou encore dessins, chaque compagnie pourra créer ses menus en fonction de ses besoins. On peut lui mettre des vidéos qu'on peut choisir et à ce moment-là, soit les partager entre passagers sur la table tactile, soit à ce moment-là, on peut aussi imaginer de les partager sur la vitre. Et on a le son de la vidéo qui est dans les sièges, donc intégré dans des écouteurs qui sont dans les sièges. Parmi les options notables, on trouve aussi la réservation de services à bord, comme sa place aux toilettes ou son repas. En fonction du temps d'attente au bar, on a aussi imaginé de pouvoir acheter et commander directement de sa place son sandwich. Si la table tactile est d'ores et déjà commercialisable, la vitre numérique est toujours en phase de test et devrait débarquer dans les trains d'ici quelques années. Au-delà de ses fonctions d'écran pour les vidéos, Alstom l'a aussi imaginé comme un support d'information pour les usagers. Une fois arrivé à destination, on va afficher à l'ensemble des passagers sur cette fenêtre l'état du trafic dans la ville d'arrivée et puis les connexions si les passagers poursuivent leur voyage. Présentées sur différents salons depuis 2014, ces innovations pourraient se développer aussi bien dans les trains que dans les métros, les tramways ou les autocars. Pour l'heure, Alstom répond à différents appels d'offres et en fonction des contrats décrochés, adaptera sa technologie aux demandes de ses clients.